Alors évidemment, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'écologie et vous faire un oral. Je sais bien que vous aimez ça dans votre petit chemin. Donc on va voir ça grâce à 5 graphiques. Le premier graphique, pourquoi est-ce que je parle de l'écologie avec mes potes en petite partie, parce que c'est important et qu'il faut faire attention. En moyenne partie, parce que ça fait partie de l'actualité, mais en grande partie, parce que le prof de français nous a demandé d'en faire un projet. Deuxième graphique. Pourquoi je jette mon papier dans la poubelle? En petite partie, parce que c'est pour préserver la nature, et en grande partie, c'est pour ne pas passer pour un gros crâne dégueulasse. Les raisons pour lesquelles je circule en bicyclette. En petite partie, parce que ça ne pollue pas, et en grande partie, parce que je n'ai pas assez d'argent pour me payer une voiture. Quatrième graphique. Enfin, pourquoi je deviendrai bénévole? En petite partie, pour que les gens pensent que c'est pour préserver la nature, mais en grande partie parce que les gens pensent que c'est pour me faire plus d'amis à part YouTube. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Mais plus sérieusement, essayez de ne plus polluer et bonne journée à tous. Yo les gens, c'est Asma TV. Aujourd'hui, on va faire expérience sociale sur notre environnement pour voir la réaction des gens. N'hésitez pas à lâcher pour ce qu'il y a, on va faire vidéo. Il y a la COP 22 qui arrive. Pourquoi je te comprends? Il y a la COP 22 qui arrive bientôt, le fait. Ça, wesh. Non, je veux rien savoir. Je contribue à la dégradation de notre planète. Comme vous l'avez remarqué, il y a deux tiers de personnes qui ont réagi. Dans le monde, il y a deux types de personnes. Les bons qui réfléchissent à l'environnement et les mauvais qui ne réagissent pas. Shall we begin? Donc, on arrive maintenant à vos photographies de notre chère Terre datant de 2016. Vous allez voir la grande différence. Wow, comment l'océan il était bleu. Et où la chair est bleue. Et les plaines sont vertes. La Terre, c'est notre maison. Pour éviter cette situation, protégeons notre habitation. Shall we begin? Salut encore. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour devenir les meilleurs et parfaits écologistes. D'abord, il faut jeter les déchets par terre. Et bien sûr, il faut étouffer les oiseaux et tout avec la cigarette. Fumer encore plus et jeter des cigarettes allumées dans les forêts, comme ça les brûle. Il faut jeter le pétrole et les déchets des bateaux dans les océans, comme ça les poissons ils vont trouver de quoi se nourrir. Comme vous le savez, c'était tout à fait ironique. Alors je vous invite tous à faire exactement le contraire de ce que vous aviez. Bien évidemment, jetez vos déchets dans les poubelles, mais ne font pas la poubelle. Soyez bénévoles afin de nettoyer et afin d'en trouver un environnement encore plus propre. Il y aura un événement ici au Maroc. Je suis une citoyenne marocaine et je vous invite tous à participer à cet événement qui va aider notre pays à être plus propre. Parce que comme vous le voyez, nos rues, nos quartiers, devant les écoles, c'est rempli de déchets. Ne croyez surtout pas ce qu'a dit mon camarade de maman. Il nous remplace. Shall we begin? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on abordera un sujet en rapport avec la COP22 qui touche chacun d'entre nous, chaque habitant de cette planète. De nos jours, on vit dans un monde extrêmement pollué et enfants et adultes n'ont toujours pas pris conscience des dangers que nos futures générations pourront connaître. Et si la Terre pouvait se taire? Et si la Terre pouvait parler? Stop! Mobilisons-nous tous pour un meilleur avenir. Shall we begin? Au suivant! C'est bon. Est-ce que vous pouvez vous commencer tout d'abord par vous présenter Je m'appelle Fadouane, j'ai 23 ans, je suis un investisseur et je défends la nature. Je suis un écologiste. En présent de la campagne, je suis là. Alors moi j'ai fait des études à la fac de biologie. Allô? Non mais je suis occupé maintenant. Je suis en plein entretien d'embauche. Non, je peux pas. Je suis un peu plus tard. Shall we begin?